Mardi 26 février 2019, messieurs, dames, bonsoir. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans le téléjournal. Là, c'est le deuxième pari nous pour ce maintenant. Grand titre, dans quelques secondes. Mais quelques principales informations que nous avons développées dans le téléjournal, Assoya, ancien DGPNH, Godson Aurelius, libéré provisoirement dans le cadre d'une décision, la Cour d'appel Gonaïve, prend, mardi 26 février, procès après poursuivre, mardi 12 mars, Cap Vinila. Et puis, Commission Sécurité publique, Sénat République, là, rencontré mardi 26 février, membre Conseil supérieur police nationale, là, sous dossier arrestation et puis transfert, cet étranger. Au président de commission, sénateur Jean-Renel Senatus, annoncé commission pral pour tes dossiers devant l'Assemblée sénataire. L'autre point, nous avons dans le téléjournal, là, Premier ministre Jean-Ri Seyan visite le ministère commerce et industrie dans le cadre de démarche pour faire suivi sous ensemble mesi gouvernement prend pour descendre prix produits, premiers nécessités. N'a dit tout dans le téléjournal la soya ministère affaires sociales et travail dans tête collée avec bureau organisation internationale travail lancé officiellement activité pour marquer 100e anniversaire création organisation internationale travail OIT ministère commerce et industrie signé ma 26 février à tout et un protocole accord avec l'université l'état d'Haïti pour création plusieurs cours dans l'université l'état tant coup commerce international entrepreneuriat et innovation. Ministre commerce là, Ronel Gilles annoncé une série conférence débat a bien pour réaliser dans cadre protocole accord si là. Sous plan international, plus passé 80% qui ben dit d'accord ak réforme constitution hein, d'après une annonce commission électorale là lundi 25 février pardon. Point ça avec divers autres pour faire essentiel de les journal là pour soir, restez branché, développement aussi pour tout de suite après pause là. Change et service après vente. Levé caoutchouc sin top tête chat sa yo encore. Mais pas gagné, c'est sale caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise. C'est fun wash, chire route, coche clou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchoucs, Tom. De quel grosseur vous voulez? Top Tire, c'est fun wash.
tirer route, pochit-lou. L'autre fois encore, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans le développement téléjournal là. On a commencé avec la page météo et c'est prévisionniste nous, Nicole François Selom qui va dire nous comment couler le temps. On suit. Bonsoir tout le monde. Moi content de retrouver nous aujourd'hui pour bulletin météo. Qui j'en condition temps est sous pays là. Et ben nous parlons ça. Kounia, j'en ai habitué faire là avec différents images nous. Ça fait plus que une semaine, toute région Caraïbes là a bien dans une masse d'air qui est réellement sec. Donc avec l'image ça, nous avons plutôt une espèce de nuage jaune. Et ce n'est pas seulement au niveau d'Haïti, mais c'est sous toute région. Donc nous voulons parler de Tizantillo, passer sous Porto Rico, Saint-Domingue, Haïti, un bon parti dans Cuba et même la Jamaïque était en dans situation tant sec ça. Ça permet à ce que nous n'ayons pas gain activité la pluie vraiment sous pays. Hein. Donc je dis encore, nous sommes dans la même situation hein, avec un ciel qui est totalement dégagé sous presque tout département. Sauf au niveau nord, là, nous avons quelques petits branches nuages qui ont développé au niveau ça avec massa qui a déplacé de Saint-Domingue. Donc dans l'après-midi, qui a rentré au niveau frontalier là et provoqué quelques petits averses de la pluie vraiment isolées. Mais par rapport à l'autre département, c'est encore un temps qui a été très sec pour aujourd'hui. Au niveau Port-au-Prince avec les joueurs voisins, c'est encore la même situation. Un ciel très dégagé, un ciel vraiment bleu, avec quelques passages nuageux dans l'après-midi. Température maximale a monté jusqu'à 32 degrés Celsius, minimale a descendu jusqu'à 20. Donc encore, une nuit qui n'est pas trop chaud, mais l'activité de la pluie a toujours été ralentie au niveau Port-au-Prince pour Assoya. Dans la page maritime, mais là au niveau côte nord pays, hein, golfe de la Gonave avec côte sud, pas trop tranquille. Donc pour golfe de la Gonave, là, nous avons des vagues qui montent jusqu'à 7 pieds. Donc c'est réellement agité. Et côte sud jusqu'à 10 pieds avec swell. Donc swell, c'est des vagues qui sont très loin et qui a bien à battre au niveau rivage là. Donc là, nous avons des capitaines et tout le monde tout, qui a fréquenté la mer, là, même pour les baignades, pour prendre en pile précaution pour aujourd'hui, hein, demain et jusqu'à ce que nous arrivions dans un temps côté vent, les souffler moins et que Merlin les retourne à la normale. Et pour finir dans la page astronomique, là, le soleil a couché sous Port-au-Prince aujourd'hui à 5h53, la levée demain matin à 6h10. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec nous aujourd'hui. Hein. Merci pour attention nous. Bonne fin de journée, bonne soirée et à très bientôt. On a démarré avec information concernant le dossier dialogue la Bundou, cérémonie installation comité facilitation dialogue entre haïtiens yo déroulé lundi 25 février à dans Palais national. Une cérémonie qui déroulait en présence président République là, premier ministre là, président des branches parlement et président CSPJA et puis plusieurs autres personnalités. Sabine Jean-Étienne à l'équipe télévision nationale là, pas dire nous plus nos contre-indiens suivent. Six membres qui forment le comité pour faciliter le processus de dialogue entre citoyens haïtiens ont plusieurs missions pour remplir dans le cadre de travail. Yo. Spécialement, ils veulent faire toute grosse tête dans la classe politique, économique et sociale, structure politique et membres de la société civile, là, chita parler sur l'avenir du pays. Ils ont une chaîne de responsabilité pour faciliter. Nous tournons en rond autour de notre nombril. Nos perpétuels cyclones de polémiques dérisoires abîment le débat politique et aggravent la fracture sociale. L'un des rares acquis
démocratique de cette transition, la liberté de la parole, la liberté d'expression, la liberté de pouvoir dialoguer. Car fini est le temps de se parler par signe. Pour ces millions de bouches affamées, pour ces millions de souffrances, empruntons la voie du dialogue. Pour ces milliers de jeunes déboussolés, sans fenêtre d'opportunité, empruntons la voie du dialogue. Pour nos braves policiers, morts dans l'accomplissement de leurs devoirs, empruntons la voie du dialogue. Pour ces anonymes manifestants qui sont tombés dans le cadre d'une revendication populaire, empruntons la voie du dialogue. Pour ces millions de silences inaudibles, empruntons la voie du dialogue. Depuis lancement processus dialogue là, dans le mois de janvier qui s'est passé là, président République Jovenel Moïse pas suspendre poser action dans l'idée pour établir un climat la paix dans le pays. Le moment est propice pour les élites nationales, les élus et les fonctionnaires de l'État à tous les niveaux, pour chaque citoyen, de faire face à leur responsabilité d'Haïtien, d'identifier notre patrimoine commun en tant que nation et de prouver que nous sommes capables de nous entendre. Chef de l'État, j'ai assumé ma responsabilité en faisant appel à des filles et fils du pays, issus d'horizons divers, pour créer le comité de facilitation du dialogue inter-haïtien. Je souhaite que ce comité travaille avec ardeur pour trouver la meilleure façon de mener ce dialogue national inter-haïtien qui devra aboutir à des propositions concrètes respectueux de la Constitution, inclusive pour conduire le pays vers la voie de la stabilité. Il reste maintenant aux acteurs concernés, dont les deux autres pouvoirs de l'État, la classe politique, le secteur des affaires, la société civile, la communauté internationale à titre d'observateur, d'apporter tout leur appui et toute leur collaboration afin que les conclusions du dialogue reflètent la volonté de toutes et de tous. Mesdames, Messieurs les membres du comité, la nation entière compte sur votre discernement, votre perspicacité, vos capacités, votre impartialité quand il s'agit des intérêts nationaux. Comité pour faciliter le processus dialogue entre citoyens haïtiens a gagné un mandat 90 jours. Chaque semaine, il y a bien pour informer la nation sur l'avancement du processus dialogue là. L'autre point dans le téléjournal là, ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Cizon, dit pays États-Unis a papillé toute solution à crise haïtienne nan, qui a traité dans dialogue. Selon diplomate américain, dialogue c'est pi bon moyen pour résoudre crise là qui prend diverses formes pendant le quoi c'est haïtien qui doit définir thème qu'a traité dans cadre dialogue c'est là. Michel Cizon t'a répondu question confrère nous dans la voix de l'Amérique. Nous voulons encourager un tel dialogue, mais un dialogue inclusif, un dialogue constructif, un dialogue de bonne foi, où tous les stakeholders, tous les acteurs politiques, économiques, des jeunes, des femmes, secteur privé, secteur religieux, tous les secteurs s'assoient ensemble et parle et entre dans un dialogue de bonne foi sans préalable. C'est sûr que les États-Unis, c'est un pays ami. Nous sommes des proches voisins, nous sommes un pays ami. Mais un dialogue national, Jean-Robert, je crois que vous êtes d'accord avec moi, un dialogue national, c'est un dialogue lancé par des Haïtiens, c'est un dialogue entre les Haïtiens. Nous allons encourager les amis d'Haïti, les pays de la région, les pays amis, nous allons encourager. Mais c'est un dialogue lancé par des Haïtiens, un dialogue entre les Haïtiens. Et je crois que ce terme, une solution durable, est important parce qu'on est en train d'encourager un dialogue
politique économique et sociale qui va servir le bien-être du peuple haïtien. Alors, c'est pour le peuple haïtien, c'est pour leurs représentants, c'est pour ces secteurs économiques, politiques, religieux, sociaux, les jeunes, les femmes, de définir les termes de ce dialogue, l'agenda, si vous voulez. Et on doit discuter, pas uniquement les questions politiques, mais les questions sociales et économiques. Nous allons encourager, nous allons donner l'encouragement. Dossier dialogue toujours, Parti national démocratique progressiste haïtien, PNDPH, fait appel à conscience chaque haïtien pour résoudre la crise pays à Konin. Coordonnateur PNDPH là, Yvon Desroses, explique moment arrivé pour mettre fin à toute zigzanie pendant lui proposer un dialogue avec participation tout secteur dans la vie nationale là pour déboucher à une solution. Coordonnateur PNDPH là, Yvon Desroses, Ténamico Stéphanie Charles à Claude Dali Jean-Jacques. En écoutez. Ça n'a pas vu là. Comme crise chômage, crise de souveraineté nationale, crise de la création des richesses, crise et dégradation environnement, toute qualité crise nette, eh bien, il n'est pas venu avec le président Jovenel. Il était là déjà. Son processus de décrescendo qui mène là. Nous même c'est pour nous dire, crise n'est pas cap chita sous le grand monde, c'est pour le grand monde responsable. J'ai fait connaître ce président de là. C'est toute élite pays qui faillit à mission. C'est toute élite pays qui échoue. Eh bien, il faut tout le monde prendre conscience que yo échoué. Eh bien, pour faire un autre choix, pour changer physique d'épaule. Nous disons un dialogue, un vrai dialogue, un dialogue inclusif. Son bagage, tout le monde la donne. C'est pour bagage, un petit groupe de monde. C'est tout pays qui doit la, tout petit pays qui doit la donne. Tout secteur organisé. Y compris la diaspora haïtienne. C'est nous tous qui pour la donne. Nous pas nous démarche, un tel la donne, un tel pas la donne. Nous nous démarche inclusive. Donc, en dans dialogue ça, si nous faisons, nous allons sortir à trois bagailles. Premier bagaille là, réconciliation à tête. Nous pensons en dans PNDPH. Il faut un accord avant d'aller dans le dialogue national. Vrai chita parlé, il faut un accord qui fait. Entre les trois pouvoirs publics de l'État, entre la société civile, entre la classe politique, entre le secteur économique, entre la diaspora. L'autre réaction, Parti politique travailleur révolutionnaire pour intégration masse patrim, encourager tout acteur dans la vie nationale à mettre tête ensemble et puis dialoguer pour permettre le pays à continuer à joindre et stabilité. Président Patia, Raymond Davius, expliquait chita ensemble une à l'autre pour faciliter discussion pour joindre une solution à problème société à traverser. Il a répondu à une question Eliezer Kolo avec Debel Mathilde Chéri. En suivi. Parti des travailleurs révolutionnaires pour l'intégration des masses patrim. Continuez à connaître l'ambi pour nous dire assez. Nous arrivons dans le bas-fond déjà. On ne suspend pas gratter toujours. C'est peut-être ça la demande de tout acteur qui concerne dans l'énième crise, dans nos solidarités vivre ensemble dans l'exigea, dans nos sensibilités, yo entente, maman et papa petit, quel que soit le rôle dans la crise, interroger conscience. Les a sonné bien fort. Pour accepter de faire gros sacrifices sortir dans le marronnage pour poser vrais problèmes qui empêchent de jouer une solution à la crise. Là. Si nous voulons faire démocratie et puis nous après l'autre, nous voulons détruire l'autre, nous croyons qu'il s'est ennemi l'autre. Qui démocratie est là? Pourquoi l'on va être pays décivilisé? L'autre fait politique, je ne pas ennemi de l'autre en face, mais je suis seulement adversaire. En tant qu'adversaire, je ne pas besoin de tuer. Besoin simplement la propagande électorale et tout ça va faire pour me gagner c'est football pas pour me gagner élection c'est ma candidat même pas besoin de tout du pour ça parce que nous c'est haïtien nous tout très haïti. Nous autres côté réaction d'un responsable parti Patrimio n'a parlé de McDonville avec Davius Raymond. Quoi est là nous allons faire coup de pied dans le Parlement haïtien pour nous dire commission sécurité publique dans le Sénat rencontré mardi 26 février membre conseil supérieur police nationale là dossier arrestation et puis transfert 7 étrangers semaine passée à tenant en discussion yo président commission sénateur Jean-Renel Senatus annoncé commission pour porter dossier devant assemblée sénateur en suivi.
CSPN n'a vini, ban nou information. Premier ministre n'a parlé, ministre de justice n'a parlé, chaque monde explique bagay yo, commissaire gouvernement n'a parlé, directeur général de la police n'a parlé. Il y a des informations que le directeur de la police a dit que nous avons besoin d'informations. Quand vous avez besoin yo, qui va être hébergé, comment vous êtes rentré, qui est-ce qui t'a accueilli yo dans l'aéroport, dans quel avion vous êtes rentré, qui est-ce qui va aux zambes pour marcher dans le pays, nous avons besoin d'informations. Nous avons toutes les informations. Là, nous arrivons là, la commission est obligée de trancher, la commission est obligée de trancher par votation. Côté de 5 membres présents, il y a 3 membres qui votaient pour DGA bailler toute information. DGA a dit qu'il n'y a pas d'information, mais c'est une information sensible. Enfin, il a décidé de bailler l'information. Nous-mêmes, comme commission, nous prenons une décision avec un pile attendu que nous voyons le dossier devant l'Assemblée des sénateurs. Demain, si je viens, nous saisir l'Assemblée. L'autre information dans le journal, le Premier ministre Jean-Henri Seyan visité mardi 26 février le ministère commerce et industrie. Objectif visite ça, c'est pour le Premier ministre l'en discuter avec le ministre commerce là sous mesi gouvernement prend pour descendre prix produits premières nécessités. Chef gouvernement a annoncé équipe en place là à continuer travail et puis prend mesi qui vise continuer améliorer conditions la vie population haïtienne. En suivant extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Le ministère du commerce, c'est le ministère nous baille priorité parce que justement, c'est le ministère qui entre dans le contrôle prix sur le marché. Parce que nous avons pris des mesures et nous avons parlé dans le discours de mesures que nous prenons des mesures, nous exposons et à la radio et à la télévision. Maintenant, il s'agit de voir si les mesures ne sont pas restées lettres mortes. Nous pas les mesures nous prenons, c'est des mesures qui restent sur papier. Donc nous voulons, ouais, est-ce que mesures dans l'application baillent des résultats. Donc c'est ainsi. Nous interroger des importateurs, des distributeurs, des vendeurs, nous rendons compte que le prix produit a commencé à baisser. Peut-être que pas baisser dans le rythme que nous avons, parce que nous connaissons qui situation de précarité de population. Donc nous avons vraiment nous prenons mesure et tout de suite, nous voyons que dans l'application, tout le monde sent-il et que le prix produit descend très bas, mais nous connaissons, ce n'est pas comme ça la descend en grain de jour, parce que ça dépend d'un paquet de facteurs. Un, nous gagnons des subventions nous baillent, nous gagnons des côtés, nous faisons application sur réduction des droits de douane, nous faisons des considérations sur TCA, mais et gain l'autre mesure que nous prenons dans le gouvernement tout, par exemple, dans la réduction train de vie de l'État, dans la discipline que nous mettons, dans la dépense que l'État fait, qui fait que nous tous croyons que gagnons baisse tout dans le dollar. Ce n'est pas seulement dans le prix produit et première nécessité, même dans le dollar, là, gagnons une baisse qui enregistrée rapidement. De jour nous prenons mesure, yo, à jeudi, il y a quand même 5 gouttes qui descendent. De ne pas sortir de 85 gouttes à 80 gouttes, c'est beaucoup. Et ce matin encore, il fait qu'on est déjà à 79 gouttes. Donc, c'est les mesures qui ont fait chemin, yo, et nous allons prendre d'autres mesures, et nous allons strict dans l'application, nous allons veiller mon cap appliquer pour nous ouais effectivement comment pour nous porter un baume dans la souffrance du peuple haïtien. Donc, et depuis dollar baissé, automatiquement, nous connaissons que. Gain de l'autre produit qui a baissé. Gain des produits, nous agissons directement sur eux, dans le cours, dans le prix. Par exemple, durian de palais, nous parlons des 8 produits, les produits qui constituent le panier de la ménagère, nous parlons de l'huile, nous parlons de farine, nous parlons de spaghetti, nous parlons donc de 8 produits qui, que tout le monde mangeait pratiquement chaque jour. Comme réaction, ministre commerce et industrie Ronel Gilles salue visite Premier ministre là, qui, selon lui, comprend la nécessité pour faire suivi sous ensemble mesi qui prend un ministère. Ministre Gilles fait qu'on est ministère à diriger, à déployer brigade dans le marché et dans le market pour faire travail ici. Là. Ministre Antena Miko, toujours Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph. En suivi. Le ministère que nous avons le privilège de diriger se trouve au centre de l'action gouvernementale par rapport à certaines mesures qui ont été prises en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc, le Premier ministre est ici pour s'enquérir des efforts que nous faisons et pour voir dans quelle mesure les mesures prises sont en train d'être appliquées. C'est vrai qu'il est encore un peu tôt, mais ce qui est sûr, c'est que ces mesures-là ont eu leur effet. Et vous autres, quoi, en tant que consommateurs, vous avez sans doute commencé à expérimenter et la différence d'avant et de maintenant. Nous avons des brigades qui disséminées dans tout marché, c'est-à-dire communaux et dans certains supermarchés.
De telle sorte que après-midi, chaque jour ça fait, après-midi, après entrer avec des données, et des données, ça nous analyser et nous proposer, nous publier dans des médias à forte écoute, journal ou bien radio, pour que nous connaissions exactement qui boy a besoin telle marchandise et combien la coûte. Donc, le ministère là pour ça. Donc, la fait travailler. Et puis, j'en ai annoncé le titre, le ministère des Affaires sociales et du travail, dans tête collée avec le bureau Organisation internationale du travail, lancé officiellement mardi 26 février, activité pour marquer 100e anniversaire création OIT. Faire avancer la justice sociale, promouvoir le travail décent, c'est sous thème ça, activité au déroulé. Contre rendu ça, c'est Rachel Saint-Fort à Hervé Pierre qui va le présenter. Activité dans 400e anniversaire création organisation internationale travail là té occasion pour participants regarder ensemble problématique qu'il y a question travail là dans pays a responsable OIT yo renouveler engagement yo pour continuer accompagner état membre dans promotion droit travail amélioration protection sociale renforcement dialogue social dans quatre défis dans affaire travail et puis promotion opportunité emploi décent. Nous allons donc poursuivre avec nos différentes activités pendant ce centenaire. Nous souhaitons, de manière spécifique, continuer à fournir notre appui aux discussions pour la révision du Code du travail, renforcer le dialogue tripartite, appuyer la mobilisation et la redynamisation du Comité national tripartite de lutte contre le travail des enfants pour réviser la liste des travaux dangereux et renforcer les institutions de formation professionnelle, dont notamment l'INFP. Secrétaire général Confédération travailleurs haïtiens René Prévit Joseph remercie divers acteurs qui appuyé yo nan lit yap menen pour améliorer conditions travail et puis transformer défi yo en opportunité nan sa ki gen awè ak travail nan pays a. Le mouvement des travailleurs s'engage à lutter pour doter les travailleurs et les travailleuses d'un code du travail rénové qui englobe tous les secteurs du travail. De même, les travailleurs doivent être bien représentés dans le CAOS et le CSS. Une nouvelle loi doit être votée pour renforcer ces institutions et leur donner leur vraie mission à la tête des organisations de sécurité sociale et dans le calcul des salaires des employés. Les affaires sociales à travail là, Élie Julien, renouveler l'engagement pour équilibrer le secteur travail là, pour favoriser un climat propice à travail décent dans le pays. Toujours dans le cadre de l'accord de Saint-Nocé, le MAS, le secteur des employeurs et des travailleurs, sont en train de travailler ardemment pour la finalisation des travaux sur la révision du Code du travail. Le ministère des Affaires sociales et du travail, par mon organe, promet de rester toujours fidèle à sa mission, qui est celle de réguler le secteur du travail, de favoriser le climat propice au dialogue et de veiller au respect des normes relatives au travail. Dans cette perspective, ce ministère restera ouvert au partenariat du BIT, qui est notre partenaire privilégié en matière de coopération et se charge de continuer à travailler pour l'harmonisation de nos instruments légaux par rapport aux conventions ratifiées par Haïti. Organisation internationale travail fondée dans l'année 1919 dans le cadre de Versailles qui mettait bout à la Première Guerre mondiale. Là. Dans la même occasion, le président Chambre commerce et industrie d'Haïti, Franz Bernard Crane, parlait sous situation difficile diverses entreprises ont fait face à cause du problème pays qui mettait en danger divers secteurs dans l'économie pays. Franz Bernard Crane fait connaître un pile travail qui mérite fait pour porter réponse à ce problème. Président CCIH là, rete quoi un dialogue constructif à pédé en pile dans ce sens-là. Il t'a répondu à une question. Rachel Saint-Fort et Hervé Pierre. En suivant. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles en Haïti avec une crise qui se prolonge et qui met en danger l'économie de notre pays. Cette économie fragile est malheureusement affecté dans des secteurs aussi vitaux que le secteur de la construction, le secteur du tourisme, dans lesquels des entreprises sont en train de se battre depuis des années pour survivre. Et non seulement ces entreprises sont en danger, mais les emplois qu'elles créent sont également en danger. Le secteur de l'assemblage est lui aussi en danger.
Parce que si nous ne pouvons pas prévoir quand nous aurons des troubles, que les conteneurs ne peuvent partir, les contrats s'en iront. Les contrats s'en iront dans des pays où il n'y a pas de troubles, où l'environnement est prévisible et nos entreprises et nos employés perdront et le pays perdra. Nous sommes donc dans un moment difficile, mais nous célébrons quand même des années de travail en tripartisme grâce aux efforts de l'OIT qui, avec le programme de travail décent que nous avons signé en 2015, nous a permis de nous pencher sur ce dont parlait le représentant des travailleurs, par exemple, la révision du Code du travail. Je dois vous dire que depuis 2013, nous travaillons sur ce code. Ce n'est pas facile. Mais nous pensons y arriver cette année en finalisant un projet de révision sur lequel nous travaillons chacun des secteurs et qui devrait permettre de présenter au Conseil des ministres vers, j'espère, le mois de mai, un projet de code révisé qui pourrait aller au Parlement avant la fin de l'année 2019. Il y a également des bonnes pratiques qui, même si elles ne sont pas encore des lois et des conventions, nous permettent d'avoir un dialogue constructif qui, nous l'espérons, aboutira cette année par un nouveau Code du travail, aboutira cette année par une nouvelle loi sur le Conseil d'administration des organisations de sécurité sociale et aboutira également cette année par un dialogue social structuré, aussi bien sur les questions de salaire que sur les questions d'environnement de travail, permettant à Haïti d'être plus compétitive pour pouvoir créer les emplois et la richesse à laquelle nous aspirons tous. Moment arrivé pour nous prendre pause dans le téléjournal là. On va tourner tout de suite après. Journée en pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nègre te occupé dans mine là. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça. Moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide, solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, je travaille dur. Je passe nos cas chez Beltikai, ça oui. Beltikai, nous gâtons l'école, nous parlons de l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est dans quoi pour être là? Pas courir dit ça. Ou beaucoup parler à qui ici. Et ici a besoin de planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. Et ici qui est flexi cash, lui aide au fait économie pour qu'a joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou leur prendre retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans et ici nous porter solution pour nous. Décision. C'est non même lié. Est-ce que mon problème fin acheter comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de faire madame avec toute famille. Faire madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC nous porte des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jours. AIC, c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que l'on peut dire ça au fin de payer, ça va bon même.
Koulia, ça fait petit data ak méditation. C'est celle d'Isel qui va relever illimité sur data ak minute. En écrivant le plan Goloa avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin de pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis achetez plein Golo Paola. Digicel. Oh! Nous retournons après pause là pour nous Gonaïve, pour nous coup d'appel Gonaïve, libérer provisoirement ancien DGPNH là, Godson Aurelius, dans le cadre de dossier cargaison ZAM Saint-Macla. Cela quoi, Kembe Sandra Telisma, à cause de la justice, dit qu'il n'y a pas de garantie, il est toujours disponible pour l'autorité. Pour ce qui continue, m'a dit 12 mars, Cap Vinila. Mergena Exalus, pour dire non plus, depuis Gonaïve. Ancien directeur général police là, Godson Aurelius, qui était dans la prison civile Saint-Marc depuis le mois d'octobre 2018 pour trafic illicite transnational, armes à feu et munitions, faux, usage de faux, contrebande, blanchiment d'argent avec association malfaiteur, joint libération li provisoirement mardi 26 février 2019 là. Coup d'appel Gonaïve là prend décision ça à cause problème santé qui c'est tension artérielle, ex-DGPNH là en tape souffri dans prison. Hein. Président coup d'appel là qui tape li décision ça fait connaître tout. Il a accordé mais levé mandat d'écrou à des GPNH là sous base ici un fonctionnaire l'état tout le monde connaît ça qui permet de garantir l'a toujours été disponible pour la justice pendant tout reste procès. La cour sous les conclusions conformes du ministère public accorde main levée du mandat d'écrou en faveur de l'inculpé Godson Aurelius en charge par lui de se représenter à toutes les phases de la procédure jusqu'à l'évacuation définitive de la cour. Sous Bopal, M. Jean-Eugène Pierre-Louis Youn avocat qui défend Godson Aurelius exprime contentement li pour décision ça coup d'appel la prend en faveur client. Finalement, je dis à mes amis, un grand jour pour moi et pour nous tous, pour la justice haïtienne. Et finalement, la raison a triomphé sur la laideur, sur le malabsorbe. La cour d'appel de Gonaïve, c'est le dernier rempart de cette juridiction pour contre l'arbitraire et la bêtise. Donc, d'accord. Aujourd'hui, le tribunal, nous devons public, jugement public, contradictoire. La cour ordonne sa mise en liberté immédiate. Et puis, met à charge pour lui de comparaître, comme de ne se soit pas fini. Son main levé, qui est en sorte de liberté provisoire en attendant l'ordonnance définitive. Pour ça qui concernait Sandra Telusma, coup d'appel a rejeté demande, mais levé avocat lui a été produit à cause jugio, pas de garantie inculpé a toujours été disponible pour la justice. Procès a continué mardi 12 mars prochain. Exalus Mère Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Merci en pile, Exalus Mère Jeuna. Nous parlons à ton information, nous t'ai annoncé dans grand titre au ministère Commerce et Industrie, CIEM, a dit 26 février, un protocole accord avec l'Université d'État d'Haïti, UEH. Protocole accord si là, pour le chita sous création plusieurs coûts en dans l'Université d'État, sous commerce international, entrepreneuriat et innovation, d'après ministre Commerce, là, Ronel Gilles, qui a annoncé une série conférence débat à bien pour réaliser dans le cadre protocole accord si là. En suivant, plus d'explications, le micro Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Le protocole que nous signons ce matin poursuit un triple objectif. D'abord, je propose de faciliter le développement de savoir sur le commerce et l'industrie. Parce que ici, comme l'a si bien signalé le directeur général, il y a des cadres qui se sont formés souvent à l'étranger, et que l'université va donc profiter d'un savoir certain, et comme cela, nos étudiants pourront intégrer le ministère au fur et à mesure. Deuxièmement, ce protocole vise à établir une communication entre la communauté universitaire et le ministère. Et par là, comme je viens de le souligner, sensibiliser le public sur les métiers et les spécialisations liées à ce ministère. Par ce protocole, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'engage à produire un appui ciblé à la communauté étudiantine en les exposant aux spécialisations liées aux activités quotidiennes de notre institution par des conférences débats et faciliter aussi l'accès à notre documentation
en les encadrant dans la réalisation de leur mémoire de sortie sur les thématiques qui s'y rapportent et leur offrant l'opportunité de stage, ça c'est très important, professionnalisant au ministère durant au moins 3 mois. Sur les 3 prochaines années, nous comptons donc recevoir dans ce cadre-là au moins 120 étudiants. Soubopal, recteur Université l'État, Fritz Desormes, félicité ministre Ronel Gilles qui te prend initiative ça, d'après lui, qui pourrait permettre aux étudiants qui ont plus de connaissances, faire recherche dans affaires, commerce international et entrepreneuriat, et puis qu'on est bien ensemble, service ministère pour Fritz. En suivant extrait de Fritz Desormes, dans le micro Luinel Jean-Louis, avec Michel Joseph. Ce protocole que nous signons aujourd'hui rentre en droite ligne d'une coopération déjà établie avec le ministère. Il y a eu beaucoup d'actions déjà réalisées, notamment à travers un institut pour l'entrepreneuriat à Limonade, à travers un ensemble de conférences qui ont eu lieu notamment à la faculté de droit, à l'INAGE, et qu'organisait le LACEJ sur justement la problématique du commerce extérieur. Et donc, la différence aujourd'hui, c'est que ce protocole que nous signons est plus systématique, rentre dans le cadre d'une politique plus clairement définie et comporte plusieurs aspects. Alors, c'est important de signer, c'est important pour l'université de signer avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui constitue un organe fondamental de la politique de l'État. Nous parlons du ministère du Commerce, nous parlons du commerce intérieur, du commerce extérieur. Commerce intérieur, ça veut dire la formation des prix, ça veut dire la lutte contre les monopoles, ça veut dire aussi la lutte pour l'instauration d'une plus grande concurrence dans le secteur économique haïtien. C'est aussi la lutte contre la cherté de la vie. Commerce extérieur, c'est toute la politique commerciale du pays, c'est les instruments que nous connaissons, les instruments qui nous permettent de protéger, de promouvoir la production nationale. Et c'est aussi ce ministère qui a pour rôle de promouvoir l'industrie. Nous allons parler de l'accès à l'eau potable pour nous, directeur général, direction générale nationale. Direction nationale de l'eau potable, assainissement, ingénieur Guito Edouard, lancé samedi 23 février à Cornillon Grandbois, programme Igence Distribution de l'eau. Programme ça qui porte le nom Wet Trucking, rentré dans le cadre d'une série de marches responsables d'Inepay autant, mais pour résoudre le problème, raté de l'eau qui vient dans la commune Cornillon Grandbois. John Herbie Casseus, va le dire nous plus, on suit. Contentement, délivrance et satisfaction, c'est quelques signes ou capable de remarquer dans le visage de Cornillon Grandbois dans le moment de distribution de l'eau. Après plus passer 2 mois calamité dans la montée des sons pour joindre un petit goût de l'eau, la population Cornillon bénéficiait du service de livraison de l'eau potable d'Inepa samedi 23 février 2019. Là. Selon le directeur général d'Inepa, Guito Edouard, distribution de l'eau ça rentrait dans le cadre des machines en main pour porter une solution dans le problème raté de l'eau qui gagne dans la commune. Ça. Nous sommes obligés de faire 2 km avec un camion pour nous porter de l'eau parce que d'abord sous le tari, parce que nous avons coupé pied bois. Il fait charbon et puis qu'on y a avec changement climatique qui donc source émergente que nous t'ai capté yo presque pratiquement pas existé. Étude ont révélé au niveau de Cornillon en Grandbois un problème de disponibilité des eaux souterraines. Ça veut dire que pour faire forage ou gen doit gen pile difficulté pour joindre de l'eau. Mais nous avons nécessité pour nous approfondir et n'a saluer accompagnement bayer nous avons en communication avec Banque Interaméricaine de Développement pour nous voir comment nous capable faire une proposition technique ça même Jean UNICEF te qu'on accompagne nous dans moment choléra pour nous voir si capable continuer à accompagner nous Banque Mondiale
coopération espagnole pour nous si nous sommes capables de jouer nos solutions définitives à la situation. Grâce à l'initiative, la population n'a pas besoin de faire 3 à 4 km de route encore pour aller prendre l'eau, selon sa députée, Cognon Grandbois, Raymond Rival fait connaître. Représentant Cognon Grandbois dans la 50e législature, mandé ministère des Travaux publics, Transports et Communications, prend disposition pour joindre une solution durable dans la crise de ça qui a frappé la circonscription Lyon. Nous connaissons, dans le budget initial du pays, nous n'avons pas gagné en pile d'argent. Donc moi-même, étant que parlementaire, je vais joindre le sénateur, le sénateur de l'Ouest surtout, pour nous voir ce que nous sommes capables de faire à travers le budget. En attendant de joindre une solution durable dans la crise, le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, dit qu'il a mis à disposition localité à deux camions-citernes pour faire livraison. Chaque communauté a besoin. Décision ça a pris jusqu'à ce que la saison pluvieuse arrive, selon Guito Edouard. L'autre sujet dans le journal, le ministère Jeunesse, Espoir et Action Civique rencontré brigadier dans le département de l'Ouest. Le ministère Espoir qui reconnaît qu'il y a une pile de difficultés pour brigade la fonctionner, dit qu'il y a une décision rapide qui pourra le prendre pour améliorer la qualité de travail brigadier. Falande Delphin avec Fresnel Toussaint, pour dire nous plus. Il y a environ 400 brigadiers qui étaient réunis dans le centre polyvalent Croix des Bouquets pour parler à l'autorité qui était motivée pour tendre doléances. Plusieurs ont été profités de faire leurs revendications passées parmi eux, problèmes économiques et manque de reconnaissance qualité de travail. Nous-mêmes, brigadiers, nous sommes en pleine répression. Sanité, il y a là le passage. Nous avons un peu de pour ça. Premièrement, c'est la formation de nos devoirs. Deuxièmement, c'est la participation de l'activité. Troisièmement, c'est nous pouvons nous jouer au rôle mieux qui s'habille nous en retour, qui pas respecté. Et nous parlons de la situation d'arrivée, de l'obligation, de beaucoup de fonctionner pour la belle régression. Chef service brigadier, encouragez toujours continuer le travail pour bien-être société. Jean-Michel Brutus, ouais, c'est une nécessité pour brigadier au travail, de transmettre l'instruction civique par l'autre jeune. Ça cap aider dans la construction de la société. Le ministère n'est pas seulement le ministère du sport. C'est trois disciplines que nous avons. Nous avons le sport, nous avons la jeunesse et nous avons l'action civique. Et l'éducation à la citoyenneté, si la population, tout ce qui est passé dans le pays, si vous mettez en pratique ça, le civisme, pas avoir tout problème dans le pays. Donc, c'est parce qu'il y a une carence en civisme, un civisme plus dans le pays qu'il faut ça, tout ce qui est fait dans le pays. Ministre Jeunesse Sport et Action Civique, Edwin Scholl, dit qu'il y a une décision rapide qu'il prend pour permettre de commencer à répondre à quelques difficultés en cours de récupération frais dans la direction départementale de l'Ouest. D'après le ministre Sport, à travers le brigadier Sayo, la transmission de valeurs morales a arrivé à toucher plus l'autre jeune. Dans le camp, je ne sais pas dans les rues, à traverser ce monde, à aider la société à nous, pas où encore, et ils font partie du ministère noir, et nous disons nous faut que nous chutions avec eux justement. Pour nous capable discuter avec eux et voir problème yo et chercher solution yo. Mais faut nous dire tout que travail là le plus parce que nous gros problème au niveau de société noire et yo même en tant que brigadier yo gain des formations en éducation civique en éducation à la citoyenneté et nous voulons yo même tout yo participer dans formation jeunesse là. Nous voulons tout le même tout participer dans la zone, dans le quartier, pour être capable d'informer les gens, former les jeunes, pour être capable de reconnaître que le pays, ça, c'est pays pas lié, que la valeur morale qui est fritée, connaissance à tout le monde, brigadier au gain, nous voulons que le Kimberly soit capable d'avancer. C'était occasion pour le ministre d'applaudir la série de travail avec l'intervention brigadier au fait sur le territoire national là, dans la promotion de valeur morale et patriotique. Mais tout n'a accompagné écoliers à grand monde dans la rue. Plusieurs séances formation prévoient avec distribution kit premier soin pour brigadier continuer travail. Et bien après qu'on est directrice générale l'autre l'état haïtien Margaret Fortuné déploré mardi 26 février attaque moun yo pas arrivé identifié fait sous local institution ça lundi 25 février. DGL LEH là mandé autorité concernée yo prend disposition pour garantir sécurité employé à bâtiment. Margaret Fortuné est dans micro Miguel Milias avec l'aurore d'Arli Jean-Jacques. En écoutez. Un petit appareil qui devant, je vais montrer nous et comment ça fait.
Nous avons venu, nous craser un système de surveillance de l'autre, nous craser porte à vite, nous craser puis nous dit qu'on pour les machines. Alors nous avons pris un petit temps pour nous expliquer à la presse que il y a des gens qui ont mouru. Il y a des gens qui ont fait attention. Il faut qu'on aille dans le sens, dans l'autre sens humain, tout. Comptable à victime. Parce que c'est prendre comptable à mettre dehors pour fermer la comptabilité. C'est grave. Ok, c'est un pile négociation administrateur à faire les DDO que nous profiter remercier qui te voyait policier là qui fait ça pas plus grave. Député circonscription Limonade la Tanis Tertius lance un SOS by autorité replacé dans la police avec la justice pour faire intervention dans la commune Limonade côté bandit presque acheté commune ça l'argent comptant. Parlementaire a dit déjà gagnon moun qui mouri et puis en pile caille cassé côté même lui-même bandit crasé vite machine li avec barrière la caille. Dans ce sens, parlementaire a demandé aux autorités prend responsabilité. Il micro fait d'un confident avec Moïse Wilbich, Tanis Tertius. Dénoncer yon climat violence kap évolué dans la commune Limonade depuis 7 février passé. Et 8 février, nèg yo gon groupe bandi qui rentre Limonade lourdement armé qui encagoulé kap marché tiré chaque soir dans la commune nan. Et puis, yo arrivé tiye yon paysan kap cherche la vie pour famini, ka ki soti Gonaïve, ki pou al wanamet, la arrivé, yo mandel pou kapab bet machini an kwa pou barre route la pou fè, pou bloquer route la. Monsieur pa accepté nan fè bak, nèg yo fizil. Non seulement yo fizil nan Sandville la, même bandi sa yo, yo pran sou motocyclette pour yo aller al déposer le non rager comme quoi c'est monde dans zone d'Afou qui tire. Nous jusqu'à présent bandi sa yo a marché sou monde Limonade et avec zam yo sou yo jusqu'à présent a théoriser moun yo. Jusqu'à présent pour aucun nan bandi sa yo qui arrêté. Hier aux environs de 6 heures, même groupe bandit sa yo, yo encerclé kay mwen même, yo criblé kay la koutwosh, kout bouteille, yo tiré, yo krasé vite machine mwen, yo krasé tout portail mwen. Ça veut dire que la situation a commencé et dégénéré. Moi même, moi dénoncé ça et mandé commissaire gouvernement pour le capable de mettre l'action publique en mouvement contre tout bandit sa yo parce que vous connaissez. L'autre information, pour moi, février, autorité pays Bahamas, kembe 200 haïtiens qui ont tenté de rentrer dans le pays Bahamas, à Boyantik en autre, côté 28 nan compatriotes sa yo, mouri, noyé pendant voyage en cachette si la. Responsable communication avec plaidoyer groupe qui a appuyé rapatrié avec réfugié gare, Géralda Saint-Ville-Lubin, expliqué pour moi janvier année sa, autorité dominicain yo voye tourner 9096 haïtiens sous frontière. Géralda Saint-Ville-Lubin alerté autorité des pays yo pour renforcer programme régularisation haïtien yo pendant li fait connait autorité dominicain yo renforcer présence militaire sous zone frontalière yo suite à dernier événement politique yo dans pays d'Haïti. Géralda Saint-Ville-Lubin t'a répondre question Paki Sainte-Croix avec Debel Matide Chéri en suivi. Au début année a nous a 4 embarcations que yo intercepté sous l'armée Bahamas par force défense bahamienne avec garde côte américaine. Alors ça qui était terrible pour nous, c'est ça qui était passé 2 février à côté une embarcation qui était environ 60 de compatriotes haïtiens t'est coulé et près de 28 morts que ont été joints, 28 corps ont été joints. Ils ont sauvé 17 là-dedans. Alors situation vraiment inquiétante, c'est embarcation ça qui fait 4e là qui bat un total de plus de 200 haïtiens qui ont été interceptés. Gen là-dedans yo gen tan voyé tourner déjà, mais gen l'autre noté connaît que gen funérailles 28 yo t'a fait puisque tes jeunes corps, c'est vraiment terrible.
Au niveau de gars, nous vraiment inquiétés de situation ça. Et ça fait nous réfléchir tout sur condition pays nous. C'est alerte ça que nous avons tout profité voyer par autorité haïtienne par rapport avec conjoncture là, surtout nous connaissons qui vraiment fragile et ça encourage moun laisser pays dans n'importe condition. Au niveau de la République dominicaine, ça rapatriement va chambre suspendre et nous capable dit tout gagne des pics. Parce que dans la fin de l'année 2018, la population, la communauté haïtienne qui est en République dominicaine, a une tendance pour venir à la famille malgré le bagage de papier. Et ça a tout fait, l'autorité dominicaine renforcer les militaires sous la frontière pour empêcher les gens de retourner ou du moins pour arrêter. Yo. Ça a fait que pour le mois de janvier, nous avons un total de 9196 personnes qui ont été rapatriées. À noter que chiffre ça yo pas exhaustif, ça veut dire yo capable plus parce que gars pas de gain assez de ressources pour lui assurer vigilance sur tout point frontière là. Nous allons parler élection quoi il est là avec ambassadeur américain Michel Sison qui dit pays États-Unis paré pour supporter démarche pour réaliser élection pendant fin année qu'a renouveler personnel politique dans différents niveaux dans pays. Diplomate là expliqué élection ça yo important pile pour aider gain stabilité dans pays d'Haïti. On écoute yon bout dans déclaration. Depuis plusieurs années, en effet, par voie de l'USAID, par voie de IFES, International Foundation for Electoral Systems, nous avons soutenu certains aspects du travail du CEP. Et nous savons, comme vous venez de dire, qu'il y a un projet de loi électorale au Parlement. Autant que je sache, la loi organique du CEP est aussi au Parlement. Il y a la question du budget national 2018-2019, qui maintenant, autant que je sache, est avec l'exécutif. Mais le budget doit traiter aussi, n'est-ce pas, les questions du budget électoral, et budget sécuritaire à propos des élections aussi pour la PNH. Alors, il y a plusieurs étapes, promulgation des lois, finalisation des chiffres du budget, mais nous sommes en mi-février aujourd'hui. Les élections sont prévues dans 8 mois, dans le mois d'octobre 2019. Alors, nous allons encourager le gouvernement, les partis politiques, le CEP, les pays amis de travailler ensemble avec Haïti pour avoir ces élections sur le timetable qui est prévu dans la Constitution. Information yo sous plan international, chef parlement vénézuélien Juan Guaido, qui gagne 35 l'année, déclare il important pour yo récupérer démocratie dans le pays Venezuela parce que moun qui prend pouvoir en otage yo représente yon menace pour stabilité tout continent. Président colombien Ivan Duque lui-même tout dénoncé plusieurs fois sa li rele diktati Nicolas Maduro. Pendant ça, vice-président américain Mike Pence fait connait président Trump dit clair toute option yo sous table tant qu'yon option militaire dans pays Venezuela. En suif. Juan Guaido, 35 l'année, chef parlement vénézuélien, a affirmé l'important pour reprendre démocratie dans pays à cause de l'instabilité menacée. Président colombien Ivan Duque dénonce façon li di équipe qui sous pouvoir mené bak pays a. Vice-président États-Unis Mike Pence fait connaître président Donald Trump dit clair toute option yo sous table pendant Union européenne réitéré à elle India appel li pour éviter une intervention militaire. Pour ces vénézuéliens yo qui mené transition an, créé dans l'année 2017 pour faire promotion pour une sortie dans crise Venezuela qui disposait plus gros réserves pétrole dans monde là. C'est première fois groupe Lima réuni en présence Juan Guaido. N'a traversé dans pays qui ba pour nous dire réforme constitution qui ben yo te soumettre à un référendum dimanche 24 février approuvé à plus passé 86% d'après une annonce commission électorale nationale là lundi 25 février. Texte ça c'est une adaptation constitution 1976 là li doit ratifier officiellement pour tamen processus développement et puis pour le rentrer en application. On nous suit. D'après une annonce commission électorale nationale cubain lundi 25 février 2019 là, plus passé 86% approuvé réforme constitution cubain.
constitution en majorité citoyen approuvée d'après déclaration président commission Alina Balcelo. Opposition illégale là dans Cuba te mené bon côté par une campagne pour non sur réseau social yo. Texte constitution l'église catholique te critiqué tout pour idéologie inique qui dégageait la donne. Président commission électorale nationale là Alina Balcelo qui considérait constitution ça comme s'il était déjà ratifié, dit l'État doit ratifier officiellement rapide pourtant mais processus développement nouveau constitution ça et puis mettre en application. Parlement reproclamé nouveau constitution avant de publier dans cadre d'une session dans mois avril là, texte ça c'est une adaptation constitution 1976 là et réaffirmé rôle unique parti communiste cubain tout pendant reconnaître marché à propriété privée et investissement étranger qui destiné à financement économie. L'autre information sous plan international, dirigeant nord-coréen Kim Jong-un rivé dans le pays Vietnam mardi 26 février. Kim Jong-un qui sorti dans le pays la Chine débarqué dans Dong Dang, une localité vietnamienne frontalière en général qui tranquille. Une grosse foule t'a accueilli dirigeant communiste qui t'a rendu à Noa côté deuxième sommet entre plusieurs chefs d'État a déroulé mercredi 27 et jeudi 28 février. Côté secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui déjà sous place. Donald Trump bon côté parle qui était Washington lundi février à destination Hanoï déclaré la tenir avec impatience un sommet qui pourra porter fruit. Moment arrivé pour nous rappeler quelques principales informations que tu fais essentielles téléjournal là soya ancien DG PNH la Godson Aurelius libéré provisoirement dans cadre d'une décision la cour d'appel Gonaïve prend mardi 26 février procès après poursuivre mardi 12 mars cap vini là. Commission sécurité publique Sénat République la rencontré mardi 26 février membre conseil supérieur police nationale là sous dossier arrestation et puis transfert 7 étrangers. Président commission sénateur Jean-Renel Senatus annoncé commission après le porter dossier devant l'Assemblée sénataire. Premier ministre Jean-Henri Seyan visité ministère commerce et industrie dans quatre démarches pour faire suivi sous ensemble mesi gouvernement prend pour descendre prix produits premier nécessité. Ministère affaires sociales et travail dans tête collé avec bureau organisation internationale travail lancé officiellement activité pour marquer 100e anniversaire création Organisation internationale travail OIT. L'autre information de Téwen dans téléjournal là, ministère commerce et industrie signé mardi 26 février, un protocole accord avec l'Université d'État d'Haïti pour création plusieurs cours dans l'Université d'État tant que commerce international, entrepreneuriat et innovation. Ministre commerce là Ronel Gilles annoncé une série conférence débat à bien pour réaliser dans cadre protocole accord si là. Sous plan international, plus passé 86% qui ben dit d'accord avec réforme constitution d'après une annonce commission électorale nationale là lundi 25 février. Information ça a diverses autres faits essentiels téléjournal là soir. Merci à vous même qui t'a suivi, merci à toute équipe qui t'a rendu possible. Bonne soirée en compagnie télévision d'État. Bye bye tout le monde.